Allez, c'est parti, bienvenue sur la Cubi Team, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue l'épopée zombie avec le Zombie Army 4. Donc vous allez voir, on continue en fait la première mission qui se coupe en trois parties. Et ce coup-ci, c'est la deuxième partie de cette mission. Alors pour le coup, la première mission, c'était vraiment les doigts dans le nez parce que c'était les commandes en fait qu'on apprenait à maîtriser. Ce coup-ci, on rentre quand même dans le vif du sujet. Avec une pseudo-invasion zombie, il y a une grosse vague zombie qui est assez costaud. Je vous laisse découvrir ça. Alors ça y est, sur les menus, on a enfin possibilité de faire avancer les compétences de son personnage. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était un petit peu comme un roleplay. Et ça, c'est intéressant pour monter les stats dans l'ordre qu'on veut. Parce que voilà, on peut faire du plus de dégâts ou développer sa défense ou sa capacité à recharger ou à se soigner. Donc c'est plutôt pas mal de personnaliser ça. Et bien sûr, de personnaliser aussi l'évolution de vos armes. Donc c'est plutôt intéressant l'évolution que ça propose. C'est parti pour le second niveau. Voilà, donc déjà, petite trousse de soins. Ça c'est bon. Alors là, va falloir qu'on se recharge un petit peu avant d'envoyer la baston. Éléments de scénario. Alors là, pour le coup, on est sur une base où on peut se ravitailler entre deux missions. C'est plutôt utile parce que voilà, si on a les grenades ici, il va falloir qu'on se charge avant la grosse baston qui va démarrer là d'ici peu. Allez, on va pas avoir l'objectif. Oh, il arrive un peu fort le petit train pété de zombies d'ailleurs. Et ouais, ça sent la baston. Allez, la vague zombie sur votre petite gueule. C'est parti. Ah ouais, il y en a quelques-uns. Alors les éléments rouges, vous les faites péter. Ça fait office de grenade gratos. Voilà. Petit carnage au passage, 5 frags. On va falloir faire le ménage. On va y aller doucement. Ouh, les casques. Ça fait office de bouclier pour la tête. Beaucoup, et les balles qui descendent. Heureusement, vous avez vu tout à l'heure, j'ai zappé du clip, mais en fait on a les exécutions en mêlée. Ça c'est pas mal pour fumer le zombie. Ouais, donc on a des recharges un peu partout, mais voilà, on a... Oups, je me suis loupé. Petite grenade, ça va faire du bien. Allez, boum, quelques frags en plus. Ça fait ménage la grenade. Oh, mais c'est qu'il est pas beau lui devant là. J'ai l'impression que j'ai des mecs derrière moi. Oh, ça fait mal. Il y en a qui se relèvent et tout. Oh là là. 47 frags d'affilée. Vous voyez à droite. Ah ouais, il y en a plein dedans. Oh là là, putain, c'est la folie. Ok, donc là on se fait clairement envahir la base. C'est super stressant quand même. Les balles, c'est pas la fête, hein. Je suis plus que le petit pistolet. Je trouve des munitions un peu. Putain, c'est pas des munitions de balles. Des mitraillettes. J'ai mes potes qui meurent en plus. Oh, c'est la merde. Oui, tiens, prends-toi ça. Oh, je me suis blessé. Oh, je joue l'astico là. Je sais ce qu'il fait tout seul au milieu, mais il ferait mieux de se barrer. Putain, il y en a partout. Les pastèques, quoi. C'est bien les pastèques. Ça va me servir. Mon pote, il meurt. Ah non, il meurt pas. Ouh, mais c'est qu'il y en a en haut. Putain, mais c'est la folie là. Ouh, un petit saut sur ton visage, gagner du soin en plus. Oh, il y en a partout. Il est boulé. Allez, tiens.
plutôt ça. Ouh, il a failli me voir avec son couteau. Allez, on monte. Putain, il y en a deux. Voilà, mais si, ça craint. En fait, je sais pas si je vais survivre, en fait. Là, il y en a juste 20 millions. Je sais pas viser. Tiens. Oh, il a bouffé mon pote. Merde. Merde. Je perds des alliés, en plus. Hop, ben voilà, là, tu passes tranquillou. Casser d'ici, je vais recharger. Non, j'ai pas le temps de recharger. Oh, ils sont trop près, je vais me faire fumer là. Viens de là, toi. Ça passe, ça passe, ça passe. Ouh, une mitraillette. Ah, bah là, on va faire le ménage. On fait ce qu'on peut. Allez, prenez ça, les gars, c'est cadeau. Pas énormément de balles, la mitraillette plus. Ouf, on dirait que ça se calme un peu. Ah, un petit client. Merde, bouton. Putain, j'ai failli crever comme une brêle. Non mais sans déconner. Ah, il en reste quelques-uns. Bon, on va finir de nettoyer la zone tranquillement. Et on va pouvoir passer à la suite de la mission. Mais cassez-vous là, qu'est-ce que vous faites? Je me barre. Hein. Je me barre. Ouais, au moins je suis au bon endroit pour recharger un peu mes munitions. Les grenades aussi. Tiens, d'ailleurs je vais peut-être pouvoir en balancer une. D'abord, un petit peu de soin, ça fait du bien. Bonsoir mesdames. Voilà, j'ai un peu gâché la grenade quand même. Ça c'est pas mal, c'est plutôt bien fait ça, parce que c'est vrai qu'on peut du coup changer de... Oh, il y avait ça qui était possible de détruire, une espèce de gros radeau avec plein d'explosifs. Mais putain, mais ça arrive, je sais pas combien. Bon, je suis pas un grand viseur hein, quand même. Hop, le chouchou, ça sert juste à rien. Il faudrait. Allez, on va... du coup là j'avance et je recharge toutes les munitions. C'est clairement c'est ce qui me manquait tout à l'heure. J'ai pas su le voir au milieu du feu de zombies. Grenade, ouais, bah tiens, je prends des mines. Tiens. On va marcher dessus tout à l'heure. Ça risque d'être bien sympa. Maintenant, la suite de la mission. Donc ça se passe dans les wagons, je crois. Ah la vache, tout le quai il est bousillé, il est blindé de zombies. Ah clairement là, il va falloir utiliser les petites grenades gratos. Allez, boum. Cadeau. Allez, le train qui pète, donc on a des vagues, ouais, c'est ça. D'accord. Et je prends encore en mode munitions, je tiendrai le coup. Ah oui, j'avais pas remarqué les zombies. Vous avez vu, il y a des zombies soldats, donc ils portent des mitraillettes. Ça veut dire que, sur un malentendu, ils vous tirent des balles dessus, quoi. Les mecs sont débiles, mais pas complètement. Oh là-haut. Ouh, j'ai tiré dans le goudron. Tiens, prends tout ça. Ah, mais il y a vraiment plusieurs vitesses. Il y a des zombies qui vont vachement plus vite que d'autres. Tiens, il y a Jean-Pierre qui se relève. Oups, j'ai raté, j'ai eu ton collègue. Tiens. Alors ça, c'est la fameuse exécution qu'on a débloquée tout à l'heure. Ah, recharger toutes les munitions. Voilà, ça, c'est cool. Ça, c'est très cool.
Bon bah ça s'arrête pas, hein, clairement, c'est infesté. Les niveaux sont infestés, et dire qu'on est qu'au niveau 1. Ah ouais, et puis il y en a quelques-uns, je vais me reculer. Ce sera plus simple de les avoir. Boum. Tiens, au cas où tu serais vivant, toi aussi. Bon alors le coup du coup de pied dans le sol, franchement c'est... c'est vachement approximatif quoi, le mec il met un shoot dans le goudron, il y a tout qui pète autour. En fait c'est un super héros, le mec il a des super pouvoirs. Donc l'objectif est là-bas. Clairement je vais avoir des copains d'ici là. Voilà, ok, un wagon qui pète avec le bon mec. Je suis à deux doigts de balancer la grenade quand même. Mais... ah, on a l'explosion gratuite là. Et boum. Toujours ça, 3 kills. Et ma grenade. Voilà, 4 de plus. Ça économise quand même vachement de balles. Tu vois, j'avais dit que c'est un super héros ce mec. 3 têtes qui pètent alors qu'il y a un seul coup de pied. Je crois qu'il fait mieux que Jack Bauer le gonze. Allez, encore des clients par ici. Alors là-bas, on a vu un saut. Voilà, c'est ça. Faut détruire tous les mecs concernés. Et une fois que tout est mort, on déverrouille. Oh, vous allez où là? Ouais, j'ai encore du monde quand même. Ouh, encore des copains mitraillettes. Vous êtes mieux au sol, les mecs. Je sais pas ce que vous en dites. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un saut. Il va falloir péter tout ce qui reste de zombies. Des gardes principaux, en fait. Il faudrait que je les trouve. Ah, ben voilà, c'était eux. Je vais un peu cleaner la fin du niveau. Et puis. On va voir si je peux tout recharger, faire un petit peu d'inventaire, mettre les grenades à jour. Voilà, grenades, munitions. Donc là on est bien, oh, on est pas mal. Voilà, un peu de recharge. Grenade à fragmentation, franchement c'est super utile. Vraiment bien. Vraiment pas mal comme arme. Allez, on va se retrouver donc. J'ai l'impression que la mission va être plus longue que prévu. Je vais couper la vidéo ici. On va se retrouver très vite pour la suite de cette mission. Restez sur la chaîne, restez connectés. On va se revoir très vite pour terminer cette fameuse mission de zombies. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Salut.